Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14, la carrière pro. Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode? On va simuler un match, la finale, la Super Copa de España contre le Real Madrid. J'aurais bien voulu la jouer mais tant pis, on a joué la veille et on a gagné 5-0 à l'extérieur en qualification Champions League. Donc on aura un match contre Villarreal dans cet épisode à domicile. Un match contre l'Austria de Vienne, si je le joue. Un match contre Osasuna. Et on verra bien, si on arrive à changer de club. Je risque de faire un petit peu moins de matchs aujourd'hui, parce que j'ai un petit peu moins de temps. Mais on verra bien. Donc j'ai pas été retenu dans l'équipe pour ce match. Donc on va suivre ce match. Hein. Pintor Torres, Cornelier, on va, d'accord. Il est faux, l'autre il a mis la grosse équipe en face. Il est faux. Et voilà, Cristiano Ronaldo qui marque sur penalty. Sergio qui se blesse, oh putain. Et le deuxième but de Gareth Bale. Et oui, on va prendre la grosse défaite. Ça va faire mal. Et le troisième but de Modric. Oh, fait chier. Et c'est fini, défaite 3-0. Frontas qui est rentré, qui a pris carton jaune. 5 semaines. Fracture du métatarse. Bon, c'est ballot pour lui. Putain, mais je suis toujours sur la liste des transferts. Parce que, bon. Aston Villa. Valence. Ouais, Aston Villa. Allez. Putain, Aston Villa, balancez-moi une offre, bande de cons. Ouais, parce que j'ai pas eu de nouvelles. D'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va supprimer tout ça. Voilà. Et on va donc jouer ce match contre Villarreal. J'ai été retenu. Allez, on joue contre Villarreal. On va jouer en couleur domicile. Ils vont jouer en couleur domicile aussi. C'est parce que ça fait pas de conflit. C'est très très bien. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le résumé de ce premier match contre Villarreal. Et pour le résumé de ce premier match contre Villarreal, ça va commencer à la 22e minute suite à une bonne récupération. Regardez. Récupération en bas de monsieur Alex Lopez qui va récupérer, voilà, qui va relancer directement sur Terreo. Et Terreo qui va me l'envoyer dans la profondeur, plein axe. Je suis tout seul, je m'avance, la frappe et le but. L'ouverture du score à la 33e minute sur cette jolie remontée de balle. Voilà, une bonne récupération à la base d'Alex Lopez, une bonne passe de Terreo dans la profondeur et là je suis tout seul. Je prends la profondeur tout seul dans le dos de la défense. Et c'est l'ouverture du score. Et sur ce, Villarreal va tenter de revenir au score avec cette première frappe qui passe juste à côté. Nous aussi, on va tenter d'accroître notre avance avec une autre frappe comme ça. Mais ce sera repoussé. Et en seconde période, à la 60e minute, ça va arriver sur le côté avec un centre, la tête et l'égalisation de Villarreal. L'égalisation d'Alvaro de la tête à la 63e. L'égalisation qui fait mal. Alors qu'on domine plutôt le match. Et là, sur une contre-attaque, et bien, c'est l'égalisation. Voilà. Bien cadré. Et on n'arrivera pas à reprendre l'avantage. Ça fera donc un match nul, un partout, face à Villarreal. Voilà, sur ce premier match de cet épisode. Et on se retrouve après ce match. Voilà, un petit peu dégoûté quand même. Hein, parce que bon, c'était clairement pas mérité qu'on fasse un match nul. On aura dû avoir la victoire, là. Et bon, tant pis, hein. Tant pis, j'ai marqué un but. 3 buts en 3 matchs. Pour un milieu de terrain, ça va, c'est pas mal. Ouais, on a dominé. On a dominé, mais bon. Voilà. Ils ont fait une tête, centre-tête but et c'était bon. Une offre de transfert pour moi. Chelsea, mais est-ce que je vais jouer si je vais à Chelsea? 78. Chelsea quand même. Allez. On va aller chez les Blues. Allez. On va aller jouer à Chelsea. Parce que nous on est comme ça. Nous on est comme ça. Oui mais moi aussi j'espère que je vais m'adapter rapidement. Combien? 6, 5 marqués, 5 buts, 30 occasions, blablabla. Ouais, la même chose que d'habitude. Est-ce que je joue au moins? Voilà mon nouveau maillot numéro 8 de Chelsea. Ça va tranquille.
On va jouer contre Swansea, Bolton, Cardiff et Fulham. Dans quel genre? Donc on joue contre Swansea. On va jouer en coupe contre Accrington. Et on jouera peut-être contre Bolton. Ouais, voilà, on va faire ça à peu près. Bon, mais voilà notre nouveau club. Chelsea, je pensais pas avoir Chelsea. On m'a demandé la première ligue. Et ben voilà, on y est. désolé, je peux pas faire mieux. Est-ce que j'ai pas des caractéristiques à ajouter? Blablabla. Non, ça je le veux bien. Extérieur du pied, c'est bien aussi. Dribble précis, retourner. Pas s'appuyer. Centre immédiat, ça centre pas souvent, donc bon. Allez. On va y aller comme ça. Numéro 8 à Chelsea. Pour combien? Est-ce que je peux pas avoir la somme? J'aimerais bien savoir pour combien je suis venu. C'est pas dans mes actions. 7 millions. Ouais, ça va, ils m'ont vendu au rabais quand même. Les bâtards. 7 millions. Bon, ben on va jouer donc ce premier match. J'ai maintenu dans l'équipe. Blablabla, cette équipe. Ok, ben on va jouer donc notre premier match avec Chelsea contre Swansea à domicile. Comment on est au championnat? On est dernier? Bon, au bout de 2 journées, mais dernier quand même, quoi. D'accord, ma foi. C'est bien, c'est sympa, ça fait un petit challenge. Allez, on va essayer de remonter donc. On va remonter Chelsea. On est comme ça, nous. Non, ben, le match contre Swansea. Allez, on est parti pour ce match. Voilà, ben, vous m'aviez demandé la première ligue. Et ben, on y est. C'est bon. C'est bon, c'est ça, j'ai fait. Objectif accompli. Ils vont jouer en couleur extérieure. Parce que ça. J'aime bien. J'aime bien. Jaune et violet, c'est pas mal. Donc voilà, ben, je vous dis à tout de suite pour le résumé de ce deuxième match. Donc contre Swansea. Et voilà, premier match en première ligue contre Swansea, premier match de championnat. Et ça va commencer à la 7ème minute, ça va d'ailleurs plutôt mal commencer avec la première attaque de Swansea. Le centre, la tête, la passe de mon défenseur pour le but de Pablo Hernandez à la 10ème minute pour l'ouverture du score pour Swansea. Voilà, ça commence plutôt mal. Allez, en plus, on joue à la maison, donc c'est d'autant pire. C'est d'autant pire, et donc on va voir en ralenti que c'est mon défenseur qui fait la passe avec la tête. Voilà, il veut dégager et la passe pour monsieur Pablo Hernandez qui marque. Mais on va réagir à la 18ème avec Demba qui va passer à Mossis. Moss. Pour la frappe, premier poteau et l'égalisation à la 18ème minute. Voilà la machine anglaise qui relançait. Voilà la bonne frappe, premier poteau qui vient tromper le gardien. Et la 29ème minute, Eden Hazard sur le côté qui déborde, qui va centrer du bout du pied à l'extérieur pour la tête de Dembaba. Et l'avantage donné à Chelsea, 2 buts à 1 à la 31ème. Voilà, bien joué. Bien joué. Très très beau centre d'Eden Hazard parce qu'il n'était pas facile celui-là à placer. Justement, le défenseur regardait de l'extérieur du pied en plus, il le fait. Non, même pas. De l'intérieur en plus. Un centre enroulé. Et voilà. Et la belle tête de bas. Et en seconde période, Mandzukic qui est rentré à la place de Ba, qui arrive à se frayer un chemin dans la défense pour aller frapper et mettre le break, le 3 buts à 1. Voilà, qui vient nous mettre un peu à l'abri à la 77ème. Le bon but de Mandzukic. Là, j'étais sorti, Oscar m'a remplacé. Donc il y a quand même une bonne équipe, hein, sur le papier, une méga bonne équipe, hein, même sans moi, largement sans moi d'ailleurs. Et je sais pas pourquoi, ils étaient sur se retrouver derniers. Bon, c'est pas grave, toujours est-il qu'on gagne les 3 premiers points de la saison. À domicile face à Swansea, victoire 3 buts à 1. Et on se retrouve après ce premier match contre Chelsea où on a gagné 3 buts à 1. Alors que c'était mal parti, on avait pris un but dès le début, dès la 10ème, sur une passe d'aise du défenseur de Chelsea. Bon, c'est pas grave, on a quand même gagné 3 buts à 1. Bon, j'ai pas fait un gros match, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, mais bon. J'ai pas été trop mauvais non plus. C'est mon premier match aussi en Angleterre, là. Enfin, en Angleterre, en première ligue. Et Moses. Et l'homme du match. C'est normal, il a fait un bon petit match. Il a fait un bon petit match. Et j'ai été remplacé en cours de jeu aussi. 6-7, ouais, je suis pas non plus le plus mauvais. Je suis pas non plus le plus mauvais. Allez.
On va continuer, on a fait nos premiers 3 points, notre première victoire en championnat. Ça fait que en coupe, en première ligue, on se retrouve. Oula, on est parti où? On se retrouve 12ème, on passait de la 20ème à la 12ème place. Ça fait plaisir. Alors, je suis sélectionné. Ah, pour les matchs de qualification contre la Roumanie et l'Hongrie. Et la Hongrie, pardon. Et l'Hongrie. Et on va donc continuer aller jusqu'à la fin du mercato. On s'en fout des dernières minutes. Qui c'est d'autre qui a appelé, tiens, par curiosité. Ouais, les classiques. Les classiques. Alors, on voit que Arsenal n'a fait aucun départ. Enfin, aucune arrivée. Et celle-ci... D'accord. David Luiz, je me disais bien qu'il manquait des gens. Je me disais bien qu'il manquait des gens, un peu. Allez, on avance dans le temps. On s'en fout de ces 10 dernières minutes. 10 dernières heures, pardon. Qu'est-ce qu'on fait les gros clubs là contre nous? Liverpool a rien fait non plus. Une arrivée du côté de Manchester City. Bon, 1,6 million, c'est que ça doit pas être un gros joueur. Kagawa qui est parti. Oh putain, ça va faire mal ça. Personne au côté de Newcastle. QPR, on s'en fout. Stoke, on s'en fout. Alors, Ben Taleb qui est parti. Ouais, pas grand chose en première ligue. Hein. Pas grand chose, pas eu beaucoup de mouvements. Hein. Ils sont timides un peu. Hein, et... Pas beaucoup d'argent. Hein. Et voilà, la date des transferts a expiré. Donc nous allons passer notre saison à Chelsea. Ce qui est pas mal quand même. J'ai été retenu dans l'équipe contre Accrington, donc là il faut faire un bon match quand même, hein, parce que sinon, sinon avec Mandzukic devant, au lieu de bas, bah était pas mal aussi, hein, sur le. Mais attends, mais il y a une bonne équipe quand même, comment ça se fait qu'ils ont pas été premiers dès le début. Il le fait jouer, ouais. On joue avec 3 défenseurs centrales. Il manque pas un côté un peu. Il manque pas un côté un peu. Si, un petit peu. Bon, c'est pas grave. Ils ont pas une bonne forme. Il a 27 ans. Pourtant, quand tu vois sa tête, on dirait pas qu'il a 27 ans. Alors, il a 83, ok. Ok. Il est bon lui, Moses. Franchement, il est pas mal. Eden Hazard, forcément, qui est bon. Moi-même, forcément, qui est bon. Dembaba. Il a 30 ans, il a 30 ans. Ah ouais. Le temps passe vite. Samuel Eto'o, il est toujours là. Raccroche les crampons cette saison. Nathan Ake qui est là. 73. Oh, il va bientôt prendre une place de titulaire. Oscar qui est bon aussi. Fernando. Ouais, c'est pas un effectif ultra jeune non plus. Hein. Et après, ben, on a des jeunes. Mohamed Salah qui est bon aussi. Ah, ils ont acheté aussi Christian là-dessus. D'accord, carrément. Ils sont comme ça. Thorgan Hazard 78, c'est pas mal quand même. Sur le. Higuain, non mais qu'est-ce qu'ils sont allés acheter tout ça là? Putain, mais les mecs, carrément, c'est mon chat. Carrément quoi. John Terry qui est toujours là. Carrément, les mecs qui sont lâchés des gens, ils les font pas jouer.
Pourtant, ils ont payé une fortune, mais ils ne vont pas jouer. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, on va jouer contre Accrington, une équipe de 4ème division, normalement. Donc, voilà, ben on va y aller avec ces maillots-là. Et moi, je vais vous dire à tout de suite pour le résumé de ce 3ème match contre Accrington. Et pour ce match contre Accrington, ça va commencer à la 37ème avec cette magnifique séquence de passes. Regardez un peu ça. Sur le qui va faire le centre, là, en plein vol, pour la tête de Mandzukic. Pour l'ouverture du score à la 39ème minute. Voilà, une bonne petite séquence de passes, là, à 4. Et je crois qu'ils étaient à 4 à la base. Non, ou alors ils étaient qu'à 3. Non, ils étaient qu'à 3. Voilà. Et était joli, le centre, en plus. Bien placé et tout, Mandzukic qui met la tête. La belle tête plongeante. Pour aller mettre le but. Voilà. Après 77ème minute, il aura fallu attendre longtemps avant de voir un autre but. Schürrle qui va se retrouver en face à face, mais qui va se faire défoncer. Et Eden Hazard qui a jusqu'à pousser le ballon après. Parce que la défense a totalement guaqué. Schürrle d'ailleurs qui s'est fait un petit peu mal là. Bon, il n'est pas blessé après, mais bon. Eden Hazard qui est rentré en cours de jeu. À la place de Moss. Voilà. Voilà, donc qui marque. Qui marque, regardez la défense qui laisse totalement le ballon tout seul là. Et Eden Hazard qui a bien suivi, voilà, exactement. Et ça fait le break. Et ensuite à la 82ème minute, avec une passe de Clifford, parce qu'ils ont fait jouer l'équipe B, hein. L'entraîneur a fait jouer l'équipe D pour ce match. Et Mandzukic qui va faire une belle frappe croisée pleine lucarne pour voilà, mettre le 3ème but et son doublé dans ce match. Voilà, une bonne frappe croisée pleine lucarne, une jolie frappe croisée pleine lucarne d'ailleurs. Et c'est la grosse victoire, donc 3-0. Ça fait plaisir contre Accrington, bon, une petite équipe. Et là on voit Higuain hein, qui est rentré pour les deux dernières secondes de jeu. Et ouais, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, ben on continue donc en Capital One. Merci d'avoir été avec nous pour... Et on se retrouve donc après ce match et cette victoire 3-0 contre cette petite équipe d'Accrington qui a quand même bien tenu jusqu'à ce qu'on ouvre le score. Et même juste qu'on fasse le break. Hein. Et bon, je vais pas faire un match excellent, 6-8. Je suis dans les objectifs. Schürrle qui a fait un très très bon match, effectivement. Avec une passe décisive. D'ailleurs, il a subi un attentat sur le but d'Hazard. Hein. Hazard qui a juste eu à pousser le ballon au fond du filet parce que c'était vide, il n'y avait plus personne. Mais quand même, il s'est bien fait malmener. On fait l'objectif, hein, c'est 6 et on est à 6-7. C'est quand même pas top, hein. Commence pas très très bien. Allez, on va jouer en qualification avec la France. Match décalé contre Cardiff. C'est cool de jouer à Chelsea quoi. Donc on a joué deux matchs avec Chelsea et on avait joué un match là-bas. Donc ça fait 2, 3 et 4. Bon, on va voir. De toute façon, je sais même pas si je vais jouer. Voilà, bah, de toute façon, je joue pas contre la Roumanie. Comme ça, c'est fait. On s'en fout. Démerdez-vous, les enfants. Victoire de la Roumanie 2 buts à 1. Comme quoi, Varane sur blessure qui sort. Raphaël Varane. J'ai été retenu dans l'équipe pour jouer contre la Hongrie. Bon, ben on va tenter de faire de notre mieux pour redresser un peu les choses parce que ils ont perdu leur premier match contre la Roumanie. Donc, on va essayer de gagner ce second match. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le résumé de ce dernier match contre la Hongrie. Allez, et pour ce match contre la Hongrie, on se retrouve dès le début du match avec la malédiction du carton rouge qui me suit. Elle était calme depuis ces derniers épisodes, mais là, ça y est, elle revient en force. Dès la 2ème minute, carton rouge sur cette faute qui voulait peut-être un petit jaune, mais pas un rouge dès le début. Mais bon, c'est pas grave, voilà. Mais ça sera quand même, on va quand même être les premiers à attaquer et les premiers à marquer avec cette belle frappe croisée de Griezmann à la 13ème pour l'ouverture du score. Bon. Voilà, ça commence bien. Au bout de 2 minutes, je prends un rouge. Carrément, quoi. L'arbitre, il est comme ça, lui. Il est comme un fou. Vous verrez que c'est pas fini. 15ème minute, regardez, boum. C'est la Hongrie qui prend le rouge avec ce tacle. Bon, là, c'était un tacle par derrière. Donc là. Bon, c'est peut-être un peu sévère aussi, mais voilà, carton rouge, direct, l'arbitre il est comme ça, il réfléchit pas. Et 19ème minute, Griezmann qui va adresser un bon centre pour Pogba de la tête. Et à la 20ème minute, le 2-0, le break est fait. Voilà, on prend des rouges, il y a des rouges partout, mais on continue d'enchaîner, nous, et on arrive à bien marquer, ça fait plaisir.
Quelques minutes plus tard, 25e minute, Amouma qui va envoyer un centre sur Clichy, second poteau, pour une frappe à la 27e pour le 3-0. Et ouais, ça commence à faire beaucoup déjà. On continue, on déroule derrière. Voilà, le bon centre pour Clichy. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, mais il était là. Au second poteau, qui frappe bien et qui marque. 45e minute, là, ça va être la réduction de l'écart. Regardez-moi ce but, what the fuck. Voilà. Je crois que Lloris ne pouvait rien faire. Là, c'était le poteau, le défenseur et le but. Bon, là, c'est un peu chier côté défense. Hein. Le dégagement de la tête de... Je sais pas qui c'est qui a... C'est Mangala. Voilà, le dégagement. Mais il a pas dégagé de la tête du pied. Mais le dégagement pour la tête de l'attaquant hongrois. Et 59e minute, là, le sandwich hongrois et carton rouge pour Varga. Voilà, carrément, regardez, le sandwich hongrois. Bon, le mini sandwich, hein, parce que là, c'est vraiment une toute petite faute. Carton rouge direct, allez, bim. Et Benzema à la 77e qui va passer Bronasri pour le 4 buts à 1. Ouais, je crois que j'avais dit 3-0, donc c'est pas grave. Donc 4 buts à 1, donc. Voilà, à la 78e minute. En seconde période. Voilà la bonne passe de Benzema entre les deux joueurs. Et Nasri qui arrive bien, qui met la frappe premier poteau. Et ce sera tout pour ce match. Voilà, grosse victoire, 4 buts à 1. 3 cartons rouges dans le match, dont le mien à la 2e minute. C'est honteux. C'est honteux. Voilà, bon. Voilà, belle victoire quand même, 4 buts à 1 en qualification. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve après ce match. Et on peut dire que j'ai pas de bol. Carton rouge à la 2e minute. Bon, ça va. Après, nous, on n'a pas pris d'autres cartons rouges avec l'équipe de France. Mais c'est la Hongrie qui a pris carton rouge aussi. Deux cartons rouges. Donc, forcément, vu comme ça, bon, on a ultra dominé aussi. Et donc, on gagne donc facilement 4 buts à 1. Avec un but qu'on aurait pu éviter. Mais bon, il est parti un peu tout seul. J'ai réussi à bien jouer avec un Griezmann à gauche. Ça m'a fait très plaisir d'ailleurs, qui a marqué un beau petit but. Il a fait une passe décisive. Et Benzema a fait deux passes décisives, il n'a pas marqué. Et donc voilà, j'ai eu un beau carton rouge dès la 2e minute. Totalement, voilà. Totalement injustifié. Peut-être on aurait pu mettre un petit jaune, mais quand même, mettre direct le rouge en entrée à la 2e minute de jeu. Ouais, bon. On va se calmer un peu le garçon. Est-ce que je vais jouer ? Je vais jouer ce match. Je suis pas fatigué un peu. Non, c'est dans ma carrière. Oh non, énergie sans. Ah oui, mais forcément, je suis sorti à la 2e minute. Donc c'est sûr que, vu comme ça, 4 cartons rouges dans ma carrière. 4 cartons rouges. Putain, et 2 cartons jaunes seulement. Au rang équipe, je suis comment? Non. Rang équipe, je suis comment? Je suis 5e. Ah, c'est pas mal quand même, 5e. C'est quand même pas mal. Allez. Sur ce, on va s'arrêter ici avant ce match contre Bolton qu'on fera dans l'épisode prochain. Pardon. Ah, on va jouer des poules de Champions League contre Saint-Etienne encore. Putain, on a plein de matchs. Hein. Il y a encore des poules. Mais on est en groupe alors. Et ouais. De l'Atlético de Madrid, donc on est encore en groupe. Hein. On va regarder ça rapidement. Voilà, on est en groupe là, avec l'Atlético, Saint-Etienne et le PAOK. Ouais, donc on a eu un tour de barrage de poule. Donc ma foi, on l'a réussi, c'est ce qui compte. Et voilà, bon, il m'a retenu dans l'équipe. Ben, on fera ce match donc au prochain épisode. Et on verra bien. Ben, j'espère que ça vous a fait plaisir, hein, que j'ai changé de club. Maintenant, ce sera Chelsea. Ce sera Chelsea pour cette saison. Ben, on va s'arrêter ici. Donc. Je vous remercie de m'avoir regardé. Mettez-moi un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre cette aventure. À partager sur les réseaux sociaux et à commenter si vous avez quoi que ce soit à dire. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur FIFA 14 ou sur un autre jeu. Allez, ciao.